Au Pérou, en fait, moi et mon équipe, on est trois et on veut aller dans des quartiers un peu plus défavorisés, puis intervenir dans des écoles primaires auprès des jeunes qui sont âgés entre 10 et 12 ans. Puis ce qu'on va faire, c'est en fait deux ateliers sur la persévérance, la détermination, l'estime de soi positive dans les études. Puis on va commencer par faire une activité de discussion avec les jeunes et leur présenter des personnalités péruviennes de différents corps de métier qui ont atteint leurs rêves, qui se sont accomplis, qui ont été persévérants pour atteindre justement leurs objectifs. Et suite à ça, on va demander à chaque enfant de représenter ses rêves et ses objectifs sur, à l'aide d'un bricolage. Puis à la fin de tout ça, on va créer une grosse banderole avec toutes les créations des jeunes enfants. Et on veut laisser cette banderole dans leur école ou dans leur classe afin que lorsqu'ils rentrent à l'école le matin, ils voient leurs objectifs et leurs rêves et qu'ils soient motivés à les atteindre.